j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de iTunes. Je crois que je suis tombée amoureuse de ce jeu. c'est comme Fly en fait. Je veux pas me passer de ce jeu en fait. Du coup, commençons le chapitre 4. Chapitre 4, retour à la réalité. La rue devant l'immeuble est lieu de tous les dangers. Il y a encore des fans ou pas, tu crois? Nous apprêtons à quitter le bâtiment. Je préfère ne pas le savoir. De toute façon, on va te filer sans demander notre reste. Attends, j'ai quand même envie de savoir si jamais il y en a une qui tente de nous poignarder par derrière. Imagine les gros titres de mort. Tu vas nous porter la guine. Ça va. On aura fait le voyage d'études le plus court du monde. Et l'étude devant en plus. Franchement, j'ai pas du tout envie de mourir comme ça. Tout de suite dramatisé, ce ne sont peut-être que pas des assassins. Après tout, Agnès a dit que la plupart de leurs fans étaient très sympas. Oui, mais le fait qu'elles viennent attendre devant chez eux et ne parlent pas vraiment de leur faveur, tu vois. Claire me met un coup de pointu dans les côtes. Alors on s'arrache de là, et avec un air naturel, s'il te plaît. Il ne faut pas attirer l'attention. Claire me prend par la main et m'entraîne hors du hall pour que je marche plus vite. Nous passons au nouveau devant les trois filles qui font toujours le pied gru devant. C'est vrai, mais du coup, elles ont peut-être pu prendre en photo Ginny et Jam vu qu'ils étaient pas là. Je me penche vers Claire et lui chuchote. Je crois qu'ils ont vu les autres rentrer du coup, Ginny et Jam. Elle pense comme moi. Plusieurs états d'euphorie, apparemment, ça ne m'étonnerait pas. Les jeunes filles sont en effet en train de regarder les écrans de leur téléphone avec beaucoup d'animation et de grands sourires. Ceci a au moins l'avantage de nous permettre de passer sans qu'elles nous remarquent. Malgré tout, nous pressons encore le pas. De rue plus loin, sans personne qui nous court après nous soufflons enfin. Claire satisfait tout en marchant d'un pas guilluré. De mon côté, j'allume avec aise le mini ventilateur que Jam m'a gentiment donné. L'air frais qui balaye soudain mon visage me fait un bien fou. Faudrait que je remercie Jia car cet engin est si pratique qu'il me sauve. Claire me jette un petit coup d'œil amusé. Tu pourrais le vendre très cher aux enchères. Il l'a touché. Il l'a touché et l'a approché de son visage. Si un jour je suis à la dèche, jamais de la vie. C'est précisément pour ces raisons que je le garde jalousement. Et puis si je m'en prie, je risque de me liquéfier sur place, alors non merci. Je laisse passer une ligne d'adolescents de bras dessus qui prennent presque toute la largeur du trottoir. On va prendre le métro car pour aller chez mes parents, sinon on en a pour la soirée. À propos de ce soir, je n'ai pas du tout envie de faire la cuisine, surtout que ça voudrait dire qu'il faut aller faire les courses avant. On ira plutôt acheter un truc à bouffer en rentrant de chez mes parents. Je n'ai pas très envie d'aller au resto non plus, je préfère m'affaler sur le canapé. Ça me va parfaitement. En tout cas, à peine arrivé, et tu es parfaitement à l'aise à nouveau à Séoul. C'est comme le vélo, ça ne se perd pas. Elle sourit puis sort son téléphone à la recherche d'un restaurant près de chez nous. Je la suis comme à l'allée en esquivant les passants qui ne regardent pas où ils vont et manquent de me bousculer à chaque pas. J'essaie aussi de faire attention aux petits regards en coin curieux pour que ceux qui lèvent la tête nous jetant après nous avoir croisés. Je suis morte de chaud. Je suis totalement vannée. Et moi donc, je pense que je pourrais bien dormir debout là. Heureusement, la clim va nous rafraîchir au moins de deux, ce sera déjà ça. Claire se laisse tomber près de moi sur le canapé du salon avec un gros soupir là. Notre sac de victuaille trône fièrement sur la table basse. Je vais chercher des assiettes. Si tu veux, car moi je crois que je n'aurai pas la force. Je m'extirpe du divan avec un gainement douloureux. Je sais pas. Je fouille ensuite dans les tiroirs et les placards de la cuisine avant de retrouver ma place. Merci bien. Je regarde d'un ton étonné le petit crochet en plastique que je trouve avec les baguettes en bois à côté des marquettes. Qu'est-ce que cette chose?
C'est pour déchirer le film en plastique de la barquette. La danseuse elle utilise son délai pour ouvrir les contenants de la nourriture. Quel service? Ça en Corée et en France, tu verras que ce n'est pas du tout tout à fait pareil. Ici, le client est vraiment roi et tout est fait pour lui faciliter la vie. Et puis, je crois que la praticité est encore plus reine que le client. C'est vraiment le côté pratique des objets et des meubles qui préside, car tout doit être fonctionnel. Du moins, selon la logique coréenne. Elle a eu un petit rire, puis s'empare des baguettes en bois données avec le repas et attaque son plat de bon appétit. Je fais de même, car ces morceaux de poulet frit et ces dés de radis coréens me mettent en appétit. La prochaine fois, on fera carrément livrer plutôt que d'aller chercher, ce sera encore plus simple. En plus, il est normalement dans des boîtes en carton, c'est plus écologique et moins prise de tête pour le tri des déchets. Après quelques minutes de dégustation, Claire s'essuie les lèvres et se tourne à nouveau vers moi. Et sinon? Elle me jette un regard plein de connivence. Tu en as pensé quoi alors? Dieu? Ne fais pas l'innocente, je te prie! Ça t'a fait quoi de rencontrer les membres de Third Star? Après les avoir admirés pendant un an depuis ton appartement parisien? Eh bien, en toute honnêteté, avant le choix, ça m'a fait super plaisir, parce qu'au final, on a fait que des choix, genre, en mode, bon, on était détendu. Je sais plus parler, je sais pas trop vite, en fait. Ça m'a fait super plaisir. Bon, après, je vais pas mentir, ça m'a quand même impressionné. Mais je crois que dans un contexte plus, normal. Enfin, dans le cadre plus privé, quoi. C'était moins difficile que ce que j'avais pensé. C'était un peu surréaliste, mais j'ai vraiment apprécié de les rencontrer. Ils ont l'air gentils aussi, et presque normaux. Je mime les guillemets avec les mains. Ça t'a fait quoi de revoir Colin? Ça m'a fait plaisir, j'ai l'impression de connaître, de ne plus reconnaître. Je vais dire ça un peu badal, en mode, il a dû changer, Ça m'a fait vraiment plaisir, mais j'ai l'impression de ne plus reconnaître du tout. 15 ans ou presque sans se voir, ça fait long. Même si on s'est échangé parfois quelques messages sur internet, genre les fêtes et les anniversaires, c'est quand même pas pareil. Je dois réconcilier la nouvelle image de ce Colin, si avec celui de mes souvenirs. Et bon, ça clash un peu. N'empêche, on a des sacrés dossiers sur lui. Moi, pas tant que ça, toi, par contre, tant de pouvoir entre mes mains. Comme si tu allais t'en servir. Mais bref, je suis vraiment contente de l'avoir revue. C'était un peu comme avant, la petite troupe au complet, quand on était enfant. Bon, il manque encore Valentin, mais quand il viendra me voir, on pourra se faire une réunion de famille. Et en tout cas, elle est ravie. Je dis n'importe quoi, oula. Ça m'a fait rire, le truc de message. Il m'a envoyé un message, je te le lis. Ça m'a fait hyper plaisir de voir. Là, j'ai pas vu. J'espère qu'on aura l'occasion de remettre ça dès que j'aurai un moment. Les autres sont très impressionnés par le Korean Saiwa, tu peux lui faire passer le compliment. Je vous renvoie déjà au concert de toute façon. Je manque d'étrangler. Je rose y aller, là. Ça me fait très plaisir que des Coréens pur souche comprennent ce que je raconte. Et que les compliments émanent des membres de Third Star en plus. Pour faire passer mon émotion, j'enfourne un bout de poulet frit dans ma bouche, puis le fais descendre avec une lampette de limonade. On n'a sans doute pas fait dans la diététique pour ce premier soir, mais ça suffit amplement. On aurait bien le temps ensuite de visiter plus en détail les bons plans de nourriture de Séoul. Et tiens, en parlant de Colin, je repense soudain à la petite scène qui s'est déroulée dans l'appartement de Third Star au moment de choisir Gossu. Ça a l'air de rien cette histoire, mais... Bah, poser la question plutôt à Claire. J'imagine tu le dis à Colin. Alors, pourquoi tu veux... Bref. Dis, j'ai remarqué un truc tout à l'heure à l'appart. À quel sujet? C'est tout bête, hein, mais c'est mon jour de m'attarder sur ce genre de détails. Colin, il fait des allergies alimentaires ou un truc du genre?
Comme il ne pouvait pas boire du simple soda, tout ce qu'il y a de plus banal, bien c'est parce qu'il veut garder la ligne et qu'il y a trop de sucre. Parce que je me rappelle pas que les parents parlaient d'allergie au moment des repas de Noël. Claire se redresse la tête et me lance un regard que je ne sais pas trop comment... Ah merde, tu l'as pas aimé ? Bah, c'est sans doute une histoire avec l'agence. Ils sont hyper stricts sur ce qu'ils mangent et ils boivent, tout ça. Oui, mais les autres. Claire m'interrompt très vite avant même que je puisse continuer. Elle change complètement de sujet. Oups, je me suis trompée, j'aurais pas dû dire en fait. Claire, tu es invisible. Il faisait en tout cas meilleur dans l'appart que dans le nôtre. Et tiens, la réaction de Ginny était spéciale quand il nous a vus. On aurait dit qu'il nous avait qu'il avait vu des monstres. Tu crois qu'il avait peur qu'on soit qui au juste en plein milieu de son salon? Je n'en ai aucune idée, je sais espérer qu'il y a des fans de complètement malades qui essaient de rentrer chez eux. Claire s'étire une fois de plus. Dire que demain c'est fini la rigolade. Au turbin, alors que. Qu'on vient à peine arriver. Mais ne sois pas dramatique, on doit juste aller à la fac pour assister à une réunion présentant de présentation et d'explication. Tu l'as dit toi-même au garçon tout à l'heure, on a encore une semaine pour on en a encore pour une semaine avant que les cours ne redémarrent. Oui, mais la transition sera sans doute rude. On voit bien que tu n'as pas fait tes études secondaires en Corée, car ce n'est pas de la tarte à l'école ici. Ceci dit, il paraît que c'est moins hardcore à la fac, et j'ai quand même hâte de découvrir tout ça. Tu ne trouves pas ça excitant, toi? Si, à fond. Ça va être notre nouvel environnement pour l'année à venir. C'est plutôt fou, non? Il y a deux jours, on était encore en France. Je vais avoir l'occasion de faire de nouvelles rencontres, de me frotter à quelque chose que je ne connais pas du tout. Ça me fait grave envie. Claire me lance un regard un peu bas, les yeux plissés. Est-ce que tu es vraiment humaine? Si ça se trouve, j'ai changé d'avis dès demain soir. Je te taquine, mais j'espère vraiment que ça va te plaire. Après tout, tu entends ça depuis si longtemps. Attends ça. Claire me sourit avec gentillesse. Le verdict demain, donc. Bon, ce n'est pas tout, mais là, je suis vraiment claquée pour de bon. Une bonne nuit de sommeil s'impose, en espérant qu'on réussisse à dormir avec ce décalage horaire. Crains plutôt les moustiques. D'ailleurs, on va quand même un peu ranger le salon histoire de ne pas attirer des insectes. Mais ensuite au dodo. Je me redresse en même temps qu'elle attrape les barquettes vides et me dirige vers la cuisine pour les jeter. Face aux différentes poubelles et deux différents sacs, je me sens perplexe. Claire, qu'est-ce qu'il faut jeter où? Ah, ça, pas sûr de m'y retrouver non plus, car ça dépend des quartiers. On ne trie pas comme en France, on sépare beaucoup plus. Nous faisons donc mieux pour appliquer un tri consciencieux des déchets. Puis je me tourne vers Claire, occupée à fermer les volets du salon. Bon, et bien, bonne nuit. La première qui est réveillée vient chercher l'autre. Deux précautions valent mieux qu'une. Bonne nuit. Je pousse la porte de ma chambre côté d'aller me coucher. Avec un petit tour rapide dans la salle de bain et après avoir mis mon pyjama, je m'effondre sur mon lit. Je me réfugie sous les draps et me pelotonne sur le côté. Pelotonne. Je sais pas si je me trompe. Quelle journée quand même. Dans l'espace de 2 jours, ma vie a complètement changé. J'ai revu mon cousin, j'ai rencontré mes idoles. Demain, je commence ma vie d'étudiant dans une fac coréenne. J'attrape une de mes peluches et la serre contre moi. Malgré la fatigue, j'envoie un petit message à mes parents et à mon frère. Puis complètement éreinté, je repose mon téléphone près de mon oreiller. Sans lâcher la peluche, je m'endors après quelques minutes à lutter avec le sommeil, malgré le décalage horaire qui aurait pu me perturber. Malgré tout, je me suis réveillée plusieurs fois durant la nuit. Claire avait raison, un moustique que je ne suis pas parvenue à localiser s'en est pris à moi. J'ouvre donc les yeux avec difficulté lorsque mon alarme se met à sonner à côté de ma tête. Bon, a priori, c'est moi qui est debout la première. Je me redresse, me frotte les paupières et me laisse retomber sur mon lit. Ah, je sens que ça va être une longue journée en approche. Mais pas le choix. Avec un gros effort, je parviens à sortir de mon lit. J'attaque les deux piqûres qui ornent à présent mon bras, soupire et me dirige vers la salle de bain. Une fois ma douche prise, je quitte ma chambre. Il me faudra sans doute un petit moment pour m'habituer aux salles de bain ici. Ça me fait bizarre que toute la pièce soit la douche.
et qu'on mette donc de l'eau partout. Plus qu'à réveiller Claire maintenant. Elle est doucement. Je rentre en silence et m'approche de mon ami qui dort toujours à point fermé. Je secoue l'épaule sur la brusquette et Claire grogne. Allez, allez, debout. On n'a pas à être en retard et se faire remarquer dès le premier jour. Ma cousine lance d'une voix suppliante. Me dormir encore. Désolée, mais pas possible. Allez hop. Je tire sur les draps et Claire laisse échapper un soupir outré. Mais elle se redresse les yeux bien ouverts. Bon, eh bien, puisque je n'ai pas le choix, je t'attends dans le salon. Je lui souris encourageant, puis quitte la chambre. Ok, transition. Waouh. Je lui lève un regard impressionné vers le bâtiment principal qui trône au milieu d'un campus verdoyant. Là, je suis d'accord avec toi. C'est carrément autre chose que notre petite fac en France. Quand je suis arrivée à Paris pour ma L1, je peux bien te l'avouer maintenant, j'étais hyper déçue de la fac. Ici, c'est hyper moderne. C'est une classe folle. Le choc, quoi. Bon, je me reprends cependant rapidement, tout en m'éventant encore avec le ventilateur de Jah. Il faut qu'on trouve la salle où se tient la présentation. Et vu la taille de l'endroit, je sens qu'on risque de bien galérer. C'est ça. Aïe, un peu plus de confiance en mon sens de l'orientation. Si tu es si sûr de toi, c'est quand même super vaste, tu n'as jamais mis les pieds ici auparavant. Mais d'accord, je te fais confiance en espérant de ne pas le regretter. Un quart d'heure plus tard, ma belle assurance s'effrite un peu. En effet, nous sommes toujours en train de chercher notre chemin sur le campus. Je finis par jeter un coup d'œil désolé à Claire. Je crois que je suis bien obligée de reconnaître que tu avais raison tout à l'heure. On aurait mieux fait de demander notre chemin. Je vais pas t'accabler, ma petite Saïwa, mais je crois aussi. Parce que là, il me semble qu'on s'est encore éloigné du cœur névralgique de la fac. On ne croise plus aucun visage, ça me paraît pas coréen. Du coup, ça m'étonnerait qu'on soit là où les étudiants internationaux se rendent. Jut, pardon. Ce n'est rien, on s'est un peu promené comme ça. Mais l'heure tourne, je vais télécharger une application pour nous guider. Il va falloir se décider à demander notre chemin à quelqu'un. Oui, faisons ça, demandons. Sans se le faire de dire deux fois, cours vers le premier coréen venu. Il est aussi le dépôt en signe d'ignorance, et ma cousine nous harponne une deuxième personne. Elle revient enfin s'enfoncer vers moi. Voilà, c'est bon, suis-moi. Elle m'attrape le bras et m'entraîne avec elle, au pas de course, sur le chemin que nous venons d'emprunter dans l'autre sens. Je soupire. Ah oui, j'avais vraiment tout faux. Claire a au moins le bon goût de ne pas m'accabler. Au détour d'une allée, nous manquons de nous heurter à un jeune homme, les yeux rivés sur son téléphone. Il porte un masque anti-pollution et surtout une casquette à la visière baissée très bas sur son visage. Il doit forcément l'empêcher de voir devant lui. Oh, attention! À mon petit cri d'avertissement, alors que Claire et moi faisons un pas de côté, le jeune homme lève abruptement la tête. Avant qu'il ne se rabaisse presque aussi rapidement, j'ai le temps d'apercevoir ses yeux gris par-dessus le bord de son masque noir. Il continue ensuite sa marche et à pas pressé, c'est loin de nous. Heureusement qu'il n'y a pas eu de collision frontale. Il n'aurait pas voulu déjà tester les hôpitaux coréens. Tu crains d'être bousculé et que vas-tu faire quand on prendra le métro à leur pointe? Prépare-toi déjà psychologiquement. Tout le monde pousse pour rentrer ou sortir. C'est la normalité ici, il ne faut pas y voir un comportement grossier. Ah bon? Heureusement que tu me l'as dit, car ça m'aurait beaucoup choqué, sinon je pense. Se disant, je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule. Je vois le jeune homme de tout à l'heure disparaître derrière le coin d'un chemin bordé d'arbres. Les rayons du soleil font briller quelques mèches de ses cheveux sous sa casquette, à l'arrière de son crâne. Ses cheveux argentés comme ses yeux qui ont croisé les miens tout à l'heure. Je m'arrête net en plein milieu de la vie. Qu'est-ce qui te prend, Saïwa? Tu trouves qu'on n'est pas assez en retard avec tous ces détours? Et c'est quoi cette drôle de tête, les yeux écarquillés et tout? Le mec qu'on a croisé qui a manqué de nous foncer dedans. C'est quelqu'un de connu, je pense. Hein? Mais tu l'aurais reconnu avec ta casquette enfoncée
Mais comment tu l'aurais reconnu avec sa casquette enfoncée jusqu'au nez et son masque juste en dessous? Sa couleur de cheveux est hyper reconnaissable et si tu ajoutes celle de ses yeux, c'est Wujiae, le visuel de... Je sais plus. Je sais plus comment j'ai dit alors que c'est il y a pas très longtemps pour moi. 21, c'est ce que je connais. June. Claire s'arrête à son tour des deux pieds en plein milieu d'allée. C'est vrai que j'avais lu quelque part qu'il suivait aussi des cours dans cette fac. Mais tu es certaine parce que bon, tu es fatiguée et stressée. Serait quand même un sacré hasard de tomber sur ce type ici. J'aime pas trop les deux en fait. Oui, tu as peut-être raison, je suis confondue. Non, je t'assure, c'était bien lui, parole de femme. Je veux dire ça. Malgré tout, je suis sûre que j'ai raison. Ouais. On reste dans nos trois, parce que sinon, même qu'on nous savait nous jouer. Pardon. Je t'aime bien, Claire, hein, mais je me tromperai pas sur quelque chose comme ça, alors que je l'ai vu 30 fois dans des vidéos. Et puis, quelles sont les probabilités qu'il y a sur ce campus, de nombreux Coréens aux yeux et cheveux gris. Moi, je veux bien te croire, mais bon, ce serait quand même une sacrée coïncidence. Si c'était bien lui, tu devrais être pressé de jouer à la loterie. Après déjà avoir rencontré un nouveau membre du groupe à l'aéroport hier, à chaque jour son idole. Claire rit et reprend sa marche, m'entraînant toujours. Il ne faudrait pas tout de même pas qu'on se fasse oublier que... Il ne faudrait pas que tout ça me fasse oublier les instructions qu'on m'a données tout à l'heure pour atteindre le bâtiment qu'on cherche. Après un moment de progression silencieuse, ma cousine me jette un petit coup d'œil. Je ne regrette pas trop de ne pas lui avoir demandé un autographe. Non. Il est là pour aller en cours ou régler un détail administratif pour pas se faire harceler. En attendant, nous voici enfin arrivés. Allez, c'est parti. Le début officiel de notre nouvelle vie d'étudiant de Séoul. Claire m'entraîne d'une poigne ferme vers l'entrée du bâtiment. Oh, il a fini. Oh mon dieu, c'est avec 23 minutes de film. Je sais pas du tout si je continue. J'ai trop envie de continuer, mais ça va faire beaucoup trop. Non, je continue pas. du coup, juste, et vu que je l'ai pas fait dans le dernier épisode, je vais sauvegarder. Déjà. Oui. Parce que j'ai pas regardé les trucs, du coup, ça nous ferait un peu de temps. Du coup, chapitre 3. J'ai eu un bonus. Oh! Elle est jolie l'image. C'est le ventilateur de Dia! D'accord. Retour. Ça, j'ai pas vu. Ok, c'est les personnages qu'on a vus. Ah, j'ai pas déjà. C'est super. Je n'ai pas. Ah oui, ça, c'est des trucs d'amis, là. Ok. Oh. C'est une belle illustration de Colin, ça. D'accord, c'est quoi ça? Ça, j'avais vu ça. I don't know, je sais pas ce que c'est. Boulettrie. C'est ce qu'on a mangé. Ok, du coup, nous, on se retrouve dimanche pour la suite. Oh non, je vais attendre une semaine pour filmer encore une fois deux chapitres. Enfin, je sais pas si je vais encore filmer deux chapitres. Peut-être que j'en filmerai que un. Je verrai. Du coup, on se retrouve dimanche pour la suite de Idols. Bye bye! We'll be right back.